Qui est ce médecin adulé OAI, à jamais associé au mot chloroquine? Ariane Chemin et Marie-France Etchegouin ont mené l'enquête. Moi je suis une star des maladies infectieuses. J'ai un cursus qui fait rêver à peu près n'importe qui. J'ai été le plus jeune président de l'Université de France, le plus jeune président des médecins, le plus jeune de tous les professeurs de la classe exceptionnelle. Le professeur le plus ancien dans le grade le plus élevé de tout ce pays en médecine, j'ai tout eu dans ma vie. Signé Didier Raoult dont l'ego ne semble jamais repu. Gaulois, professeur, charlatan, druide, il n'en manque pas de surnom le médecin de Marseille, qui aime à recevoir dans ce qu'il nomme le bureau des destins. C'est là qu'il révèle un secret à Ariane Chemin et Marie-France Etchegouin. Un jour, alors que j'avais 4 ans, un pédopsychiatre a dit à mon père, « Écoutez, votre gosse a 180 de QI. Laissez-le faire. Tout ira bien. » Les deux journalistes n'ont plus qu'à tirer la pelote et décrire cet homme antisystème mais dedans, à jamais associé au mot chloroquine. Une enquête où se greffant milieu médical, monde politique, fake news, mégalomanie sur fond de Covid. C'est fouillé, drôle, irritant et fou.